Il y a une affaire urgente à... Mais c'est quoi tout ça? Arwin, tu n'es pas en train d'interrompre la danse traditionnelle du poisson, n'est-ce pas? Parce que la danse traditionnelle du poisson, c'est ce que j'aime le plus au monde! Après le royaume, et toi, mon fils. Les chevaliers effectuent la danse traditionnelle du poisson pour célébrer le fait que la prophétie ait une fois de plus protégé le royaume. On a presque été détruit par un groupe de Khazads qui travaillaient pour les Raiders. Tout à fait, oui. Mais la prophétie a une fois de plus protégé le royaume. Les Raiders vont revenir. On doit se préparer à nous battre. Comme c'est écrit dans la prophétie, les cinq résisteront ou tous tomberont. À chaque royaume, sa détermination. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Novelmore ne regarde pas au-delà de ses murs, mais prend soin des siens. Mais si ça ne voulait pas dire ça? Et si Scribbles avait tort? J'ai un diplôme d'études supérieures en prophétologie et une mineure en culture traditionnelle novelmorienne. Scribbles est mon fidèle conseiller. Et toi, Arwin, tu es l'héritier du trône. Mais je ne peux pas te confier le royaume si tu refuses d'honorer notre prophétie. J'ai peur que ce garçon ne soit pas assez sérieux pour être roi. Allons, allons, continuez la danse du poisson! C'est quoi ça? J'ai volé la prophétie pour voir s'il n'y avait pas quelque chose qui pourrait convaincre mon père qu'il y a un problème. Attends, ça c'est la prophétie? Tu peux juste la prendre? Genre elle est pas enfermée quelque part, gardée par 13 chevaliers et un sort? C'est une copie. Attends, ici, ça parle d'une grande terreur. C'est sûrement l'Invincibus. On dirait qu'ils expliquent où elle est cachée. Je vais la retrouver. Tu te souviens que Dario nous a fait toute une présentation sur le fait que l'Invincibus est trop dangereuse? Oui, mais j'ai envie de la voir. Écoute, est-ce que je pense qu'avoir l'Invincibus serait cool? Oui. Est-ce que je pense que c'est une bonne idée? Non. Oh, d'accord. Les ancêtres de Dario l'ont inventé, donc je parie que Dario aussi pourrait inventer des armes super fortes. Gwen, Arwin, regardez ma dernière invention, la tarte à auto-cuisson. On va avoir besoin d'un truc un peu plus dangereux. Elle se cuit toute seule. Arwin, tu viens avec nous? Oh, non, je dois voir ma tante Alice à la campagne. Ne cherche pas l'Invincibus. Je sais. Oh, est-ce que tu veux une tarte? Ne cherche pas l'Invincibus. Oh. Attends, je suis le prince. Je fais ce que je veux. En route vers l'Invincibus. Ah! Bonjour, roi John. Alors, le roi John n'a pas fait long feu. Quelle blague enflammée, Kaboom! Non, je vous aime aussi, monseigneur. Ne me touche pas. Père, j'ai étudié la prophétie des cinq piliers et je pense savoir comment trouver l'Invincibus. Oh, on est passé à autre chose, t'étais pas au courant? Mais l'Invincibus pourrait être la clé pour détruire Novelmore. J'ai décidé qu'essayer de retrouver l'Invincibus était une vraie perte de temps. À la place, nous sommes en train de construire notre propre arme invincible qui mettra Novelmore à genoux une bonne fois pour toutes. Le canon de lave! Mais père! Je sais que tu es mon fils héritier, Brody. Mais si tu n'as pas confiance en mon jugement, comment pourrais-je te confier mon royaume? Ah, j'ai peur qu'il ne soit pas assez sérieux pour gouverner. C'est sûr. Ne me regarde pas dans l'œil. Non. Le texte dit de trouver un arbre qui ressemble à une porte. Tous les arbres ressemblent à des arbres. Peut-être que la musique m'aidera à me concentrer. Une porte qui ressemble à un arbre. Mais ils ressemblent tous à des arbres. Peut-être que la musique m'aidera à me concentrer. Un autre amateur de musique dans cette forêt? Prince Arwin de Novelmore. Tu joues comme un ange, camarade voyageur. Oh, merci, noble étranger. Mais bien que j'adorerais remplir la forêt de belles chansons, je me lance dans une quête. Peut-être pourrais-je t'accompagner un peu? J'apprécierais avoir de la compagnie. Brody, avec un P. Eh bien, Brody avec un P, je m'appelle Arwin, avec un A. Je sais que c'est chouette de te rencontrer. Et je sais que c'est chouette de te rencontrer également. Allez, on commence. Sur le temps fort. 1, 2, 3, 4! Thank you.
Très bien, Dario. Les raiders vont revenir et le roi ne veut pas réagir. Donc, il nous faut des armes. C'est quoi ce truc? C'est un gratteur de dos automatique. Et celui-là? Ça, c'est pour arroser mes plantes. Tu sais, Dario, Arwin voulait partir à la recherche de l'Invincibus. C'est trop dangereux! Je sais, et je lui ai dit. Il t'a écouté? Oui, il m'écoute, moi. Mais tu dois me donner quelque chose du style de l'Invincibus. Quelque chose d'Invincibusesque. Ça, c'était le travail de ma famille, pas le mien. Je ne suis pas aussi doué. Tu es tout aussi doué. Tu sais pas ce que c'est que de vivre dans l'ombre des Da Vinci. C'est beaucoup de pression. Tu peux le faire, je suis persuadée. Mais... et si j'y arrive pas? Arrête de dire ça, tu dois absolument essayer de croire en toi. C'est quoi ça? Mon nouveau nettoyeur aspirateur. Ça rend le ménage plus facile. Intéressant. Il faut qu'on sorte de cette tempête et vite! Une porte qui ressemble à un arbre! C'est ça que tu recherches, Brody, avec un P? Non! Ça a juste l'air intéressant! Regarde! Une inscription! Ceux qui entrent ici devront faire face à leur plus grande peur. Ah! Je n'ai peur d'absolument rien! Et moi non plus! Ça, c'était juste inattendu! C'est différent de la peur! Après toi! Oh! Merci! Ah! C'est pas du tout ma plus grande peur. Je crois que tu l'as mis en colère. Ma plus grande peur? Mon père? Je sais pourquoi la mienne ressemble au roi John. Pourquoi est-ce que ta plus grande peur ressemble au seigneur Byron, le chef des Raiders? Il a brûlé mon village il y a très longtemps. Ah! Tu ne me fais pas peur! Tu ne seras jamais capable d'être roi! Tu ne seras jamais digne! Je fais de mon mieux! Non! Peut-être que ça peut être une arme? C'est un nettoyeur aspirateur! Ça fait quoi, ça? Touche pas à ça! Pourquoi t'as fait ça? Regarde, c'est une arme! N'est pas digne. Je n'arrête pas de me dire que je ne suis rien. J'ai envie d'affronter ma peur, mais je n'y vois rien avec tous ces sanglots. Attends, c'est ça! On ne doit pas affronter notre peur. On peut affronter celle de l'autre. Je n'ai pas peur de toi! Je n'ai pas peur de toi! On a réussi? On a vaincu nos peurs! Qu'est-ce que tu cherches comme ça? Rien. Donc, tu n'es pas en train de chercher l'Invincibus? Brody, comment est-ce que tu sais ça? C'est Brody avec un B. J'ai menti. Oh, ton père avait raison. Tu ne régneras jamais sur Novelmore, Prince Arwin. Mais un beau jour... moi, je le ferai. Il faut qu'on arrête l'aspirateur! T'es pas sérieux? Voyons de quoi il est capable! Gwen! T'es en train de faire une tarte? Oh. Hé, hey, mon grand! Mange ça! Tu vois, je peux pas faire une super arme. Certes, c'était pas la meilleure des armes, mais c'est un début. Oh. Oui, c'est moi! Timitor, sorcier du Violet Vale.
Je déteste quand il fait ça. J'ai une terrible nouvelle. Le prince Arwin va être capturé par les Raiders. Alors, on doit le sauver. Non. Oubliez ça, je retiens le 2, je soustrais les ondes temporelles, j'ajuste pour l'état solaire. Correction, il a déjà été capturé et sa vie est en grand danger. Je croyais qu'il t'avait dit qu'il n'allait pas chercher l'Invincibus. Arwin! J'aurais pas pu trouver une astuce pour qu'il marche avec moi.